島か空飛ぶ岩か宇宙の神秘怪獣があった一度起これば天地も裂ける宇宙の神秘怪獣がパガッパガッパガッパガッパ Amigapa, militant et militante. GAPA a été alerté par une militante qu'une chronique de Sophie Durocher contrevenait aux règles les plus élémentaires de la rationalité. GAPA n'a d'autre choix maintenant que de rétablir les faits. En date du 7 juin dernier, Sophie Durocher fait mention d'une analyse scientifique réalisée par la compagnie Sciences Tech Communication et donne la parole à l'instigatrice de cette analyse, Huguette Guillemont, ancienne directrice des communications du ministère fédéral des Transports sous Laurence Cannon. L'étude se présente comme une recherche sur le rôle des médias sociaux dans la crise étudiante. GAPA préfère avertir les scientifiques qui visionneraient cette étude qu'ils pourraient être pris de fou rire incontrôlable. Tout d'abord, les résultats comporteraient une marge d'erreur de 12%, dont on ne sait pas à quel résultat elle s'applique. Cela veut dire que pour un résultat donné de 50%, ce résultat pourrait être de 38%, comme il pourrait être de 62%. En raison d'un facteur multilingue, dit l'étude. Pour saisir cela, nous devons faire un petit détour par l'analyse des sentiments et la compagnie Science Tech. La compagnie Science Tech, malgré ce que pourrait laisser croire son nom, n'est pas un centre de recherche scientifique, mais bien une firme de relations publiques, qui a pour clients des acteurs du monde des affaires, certaines institutions bancaires, certains ministères provinciaux et fédéraux, de même que la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. Science Tech s'intéresse, entre autres choses, au domaine de l'analyse des sentiments, c'est-à-dire le développement de logiciels, qui font l'étude automatisée des sentiments et des opinions exprimées dans des documents non structurés, par exemple, les gazouillis de Twitter. Dans un document disponible sur son site web, consacré à un symposium sur l'analyse des sentiments, Science Tech décrit comment ces nouveaux outils d'analyse ne sont pas encore au point, surtout pour traiter des données en français. En effet, certains conférenciers ont démontré durant le symposium sur l'analyse des sentiments, preuve à l'appui, que les systèmes qui analysent le français ont de pauvres performances. Par exemple, si le tweet est écrit en français, mais qu'il comporte ne serait-ce qu'un mot de langue anglaise dans le texte, le tweet est analysé et classé dans la catégorie anglaise, selon Science Tech. Voici les logiciels utilisés pour réaliser l'étude. Cyrilab, Tweetronic, Kiradian 6. Dans un échange courriel avec une militante GAPA, un membre de l'équipe de Science Tech ayant participé à l'étude, avoue qu'ils ne sont qu'à moitié satisfaits des résultats. Voyons à présent comment les différents graphiques viennent enrichir l'étude. Un diagramme à bande, à une bande, n'est pas un diagramme à bande, mais bel et bien une seule bande, qui témoignera pour l'éternité du manque de rigueur et de sérieux de celui ou celle qui l'a tracé. Et il y en a plusieurs. Mais il y a pire encore. Avertissement, raison sensible, s'abstenir. GAPA n'avait jamais encore constaté une telle aberration. Un graphique circulaire pour nous illustrer ce qu'est une proportion de 100% et nous apprendre que 100% des communications avec les médias ont eu lieu avec les médias. Merci. Comme le dit elle-même Huguette Guillemont, ce sont des dessins pour faire joli. Maintenant, regardez cette diapositive. Avait-on réellement besoin d'un graphique pour nous informer que la quasi-totalité des hashtags se retrouvent sur Twitter? L'étude affirme aussi que les journalistes sur Twitter ne sont pas restés neutres durant le conflit. Regardez bien les exemples donnés. En quoi citer les propos du Premier ministre est-il un signe de partialité? GAPA ne savait pas non plus que Dany Turcotte était devenu journaliste. Décidément, il y a quelque chose qui cloche avec les exemples. Rapporter un fait à propos du Premier ministre devient quelque chose de négatif à son endroit. Si les exemples de tweets cités dans l'étude sont plutôt représentatifs de l'interprétation générale qui a été faite de tous les autres tweets, GAPA s'en trouve franchement gêné pour les auteurs de l'étude et refuse de croire qu'ils aient librement consenti à sa publication.
constatant que les résultats de l'étude n'étaient que disponibles sur un diaporama sur le site de partage en ligne SlideShare, et qu'il n'y a donc pas eu de revue par les pairs, GAPA trouvait qu'il y avait déjà matière à soupçon. GAPA sait maintenant que cette étude n'a de scientifique que les apparences. Et encore. Pourtant, c'est bien ce que Sophie Durocher a cru et a voulu faire croire à ses lecteurs et à ses lectrices. GAPA considère cette rigueur journalistique proportionnelle au respect envers les citoyens et les citoyennes, à peu près nulle. Comment, à partir d'une telle étude, Huguette Guillemont peut-elle conclure que la raison pour laquelle les carrés verts ne parlaient pas de la hausse des frais de scolarité sur Twitter, c'est qu'ils avaient sûrement peur? Comment peut-elle en conclure que le SPVM était la seule voie neutre avec celle de la liste LM? D'ailleurs, comment peut-elle en conclure quoi que ce soit? GAPA appelle Sophie Durocher, au nom de la rigueur intellectuelle et du respect de ses lecteurs et lectrices, à se rétracter publiquement par le biais d'une chronique. Sans quoi, elle devra désormais apprendre à vivre avec l'existence, le contenu et le nombre de visionnements de cette vidéo, ou essayer de l'oublier. GAPA. Surveiller. Diffuser. Combattre.